bonjour et bienvenue sur Refuge et Joie. Nous allons continuer notre expédition 9 à la proue. Voilà, à la proue. Donc je prends tout ce qui est au milieu. Donc je vais prendre Queen, Rispos et Corseil de œil de faucon. Moi, le corsaire, Magic Gardel, je l'adore. Voilà. Ah, un truc que je trouve un peu bizarre, c'est que à chaque fois que je fais un enregistrement, la première partie, je fais une défaite. Et quand je fais pas d'enregistrement, j'arrive à aller jusqu'à 5 victoires sans défaite, quand tranquillou, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le stress de l'enregistrement? Pourtant, voilà. Moi, c'est Fizz. Ah oui. Oui. Oh non, pas Fizz. J'ai juste réagi. De toute façon, je vais essayer de le tuer avec ma redoutable. Tant pis, je perds une araignée. Mais... je m'en fiche, j'ai pas Elise. Viens là. Voilà. L'équilibre et maintenez-le. Mes balles touchent toujours leur cible. Aïe aïe aïe. Prêt à combattre. Aïe aïe aïe. Nous m'allez à l'éca. Nous m'allez à l'éca. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pourquoi j'ai. Pas si vite. Oh, j'ai le générique de Sanctuary en tête, je sais pas pourquoi, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas eu. C'était quand même une belle série. Ouais, très. Il a été très très agressif. Tenez bon. Salut. Les histoires du passé sont les graines de l'avenir. C'est mignon. Alors je vais mettre Miss Fortune. La fortune sourit. Tout simplement aux audacieux. Parce que j'ai riposte en main. Oui. Gorge et puis recycleur. Ouvrez bien grand la bouche. Oh. Fils, c'est avoir lancé plus de 6 heures, ok. Donc, voilà. Je vais te faire visiter Bilgewater. Non merci. L'odeur est insupportable. Petite nature. C'est l'anarchie à Bilgewater, mais les primes rapportent. Ah oui, elle donne vulnérabilité à tout le monde. Je m'en occupe. Bisous. Voilà. Et ensuite... oui, je peux. Ouvrons l'œil. Et le bon. Vous allez venir avec moi. Voilà. Nous les
laissez pas gagner du terrain. Eh bah dis donc. Alors, je buvais un coup, désolé. Mais c'est la première fois que je vois pas leur tenir deux attaques de suite. Réellement, c'est la première fois. De toute façon, il faut que j'attende. Est-ce que je préférais protéger Miss Fortune ou Queen? Je connais une issue. Prenez-les par surprise. Ok. Ok. Quelle serait plus rentable? Sachant que elle, quand elle se transforme, c'est quand... Ah, stoppé. Merci. Quand vos alliés attaquent, affichent 3 fois 1 de dégâts aux ennemis au combat. Et on est 6, donc 3 de dégâts. Je vais protéger Miss Fortune, parce que j'ai 2 fois Queen dans le deck. La logique. Cliquez pas. Vous sentez ça? Un combat mijote. Miam. La forêt ne peut pas se défendre, mais moi si. Viens là. Pardon. Oui. Pas grave. Bisous. Je suis désolée. Non, le sois pas. Ça va grésiller. Non, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça donne plus un plus un, c'est bien ça. Oui. Ouais. L'ère de la violence a sonné. Donc ça sera une 5-5. Regardez-moi tous. Avalez ça, l'ami. Voilà. Si, si, c'est vrai qu'elle évolue. Oh là là. Si tu veux. Mais il faut pas oublier que les deux ont vulnérabilité, les deux Valor et Miss. Et il y en a un qui a plus 3, plus 3. Oui, je pensais à lui. 2 fois plus 3, plus 3. Donc il avait plus 6, plus 6. Ou plus 4, je sais plus. Ah bah, j'étais un peu trop agressif. Donc, est-ce que c'était une bonne idée ou pas pour Miss Fortune? Je pense que oui. Je suis à un peu moins de 10 minutes. Non, un peu plus, pardon. Et puis je vais m'arrêter là, donc 2 victoires d'affilée, avec un Valor qui attaque 2 fois d'un tour et puis qui meurt pas, voilà, voilà, qui n'est pas moulu. Je vous dis à la prochaine, allez, zou!